Du fait des conséquences désastreuses du chômage endémique des Sénégalais, des milliers de jeunes venus de tous les coins de notre pays se sont rencontrés dans la capitale du Nord pour subir les tests de recrutement organisés par l'armée sénégalaise. Nous voulons s'engager dans l'armée parce tout simplement pour servir notre nation en cas de danger potentiel. Voilà. Donc vous venez défendre pour la mère patrie. Moi, je viens de Joal. De Joal. Oui. Et vous avez fait combien de jours ici? Moi, j'ai fait presque une semaine ici. Je suis venu ici à partir du 10, le 10. Vous venez d'où? De Dakar. De Dakar, vous êtes là depuis combien de jours? Je suis là depuis il y a de cela 12 jours. Ces candidats à la formation militaire sont obligés de passer la nuit à la Belle Étoile au bord de l'école élevage pour attendre leur tour. Certains d'entre eux sont même réduits à la mendicité pour survivre. Les conditions de vie sont difficiles, c'est un peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. Nous partons avec les camarades. Les camarades partent parfois dans les maisons pour manger un peu, oui, pour manger un peu de riz. Parfois, les conditions sont très déplorables parce qu'actuellement, je ne connais personne ici. C'est la première fois que je viens ici à Saint-Louis. Actuellement, bon, nous entrons dans les maisons pour essayer de demander quelque chose. Mais c'est difficile souvent parce qu'il y a des personnes, quand tu leur demandes, ils disent que tu n'es pas un militaire. Il faut se débrouiller. Actuellement, nous sommes des civils, nous ne sommes pas des militaires. Donc c'est difficile. Et vous dormez où? Ici. Sous ces tentes de famille. Oui, ici, avec les moustiques, tout ça. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas de rang. Il y a des couteaux, tout, il y a ici. Oui, des tournevis, tout. C'est très difficile. Cette situation pénible et désagréable donne une idée précise de l'extrême pauvreté que vivent ces jeunes pour servir leur nation. C'est pourquoi ils urgent pour les autorités militaires de faire ce petit geste pour donner de quoi manger à ces centaines de jeunes qui sont obligés chaque jour de tendre la main pour tromper leur faim.